Seigneur mon Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire en ce moment parce que tu nous as donné une occasion vraiment pour annoncer ta parole afin que ton peuple puisse être envahi de cette parole, libéré par cette parole, béni par cette parole. Seigneur, en ce moment, je te demande de détenir captive à l'obéissance de ta parole tous ceux-là qui vont écouter ce message. Seigneur, efface mes pensées. J'aimerais que tu puisses parler au travers de moi. Pendant ce temps où nous sommes en train d'enseigner ton peuple, afin que ton église soit prête pour l'enlèvement, nous parlons, Seigneur, de ta part, selon la puissance du Saint-Esprit, et que ce que tu as prévu pour ce temps puisse être accompli. Tu veux que notre parole soit un témoignage aux nations que Jésus-Christ, tu es vivant. Tout ce que tu as dit est vrai, nous le voyons s'accomplir et nous attendons ton avènement. Mon Seigneur et mon Roi, Seigneur, étends ta main sur nous, parle au travers de nous, afin que ceux-là qui vont écouter, qui puissent avoir la force d'accomplir ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, partout où vous êtes en ce moment où je suis en train de vous parler, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. Je continue toujours avec mes enseignements, tant bien que mal, parce que je sens que le Seigneur veut que je puisse vous parler de sa part. J'ai commencé à vous parler
En ce qui concerne la personne de Jésus, je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas un blanc. Mais je vous ai expliqué comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. N'est pas un blanc, l'homme n'est pas un noir, l'homme n'est pas un jaune, mais l'homme est à la ressemblance de Dieu. L'homme se ressemble à Dieu. Quand on parle de l'homme, on parle de celui qui se ressemble à Dieu. On ne parle pas de la chair qui a été formée de la poussière du sol. Comprenez-moi très bien. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprendrez jamais la suite. Parce que nous allons tendre vers les éléments beaucoup plus compliqués que vous ne pouvez pas comprendre. Seul le Saint-Esprit peut vous ouvrir l'esprit de comprendre les choses de Dieu. Pendant ce temps où nous sommes en train de traverser, où le monde vit dans la panique, où le monde vit dans le désarroi, où le monde vit dans la perversion. C'est un temps difficile où dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme Dieu a créé la lumière, c'est que la lumière a commencé avec Dieu. Avant la lumière, il n'y avait pas la lumière. Avant la lumière, Dieu vivait dans les ténèbres. Lisez bien Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais les ténèbres que nous parlons, que la Bible, dont la Bible parle ici, ce n'est pas les ténèbres de la nuit. Il y a une grande différence entre les ténèbres obscurité. Comprenez ce que Jésus-Christ disait quand il était encore en vie. Jésus-Christ nous parlait des œuvres de ténèbres. Quand on vous parle des œuvres de ténèbres, on ne vous parle pas des œuvres de la nuit. Par exemple, la sorcellerie, c'est une œuvre de ténèbres. Le vol, c'est une œuvre de ténèbres. Le mensonge, c'est une œuvre de ténèbres. Tous les péchés, ce sont les œuvres du ténèbres. Mais ce ne sont pas les œuvres de la nuit. Ce sont des œuvres réelles. Voler, c'est réel. C'est quelqu'un qui va, il vole. C'est réel. Ce n'est pas spirituel. Il vole, c'est vrai. C'est une réalité, voler. Ce n'est pas de la machination. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un rêve. Il a volé. Mais l'acte de voler, c'est un acte de ténèbres. Maintenant, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que les voleurs ne volent que seulement la nuit? Pour que nous puissions dire que voler, c'est l'œuvre des ténèbres. Ici, quand on parle de l'œuvre des ténèbres, ne prenez pas ça en mal. Il faut comprendre les Écritures. Il ne faut pas seulement lire les Écritures, parce que ça va vous tuer. Il faut comprendre les Écritures, ça va vous donner la vie. Quand on dit les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mauvaises œuvres. Ce sont les œuvres qu'on pratique dans l'obscurité, qu'on pratique dans la cachette, que l'on ne veut pas que tout le monde le sache. Je donne un exemple. Porter des habits, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une mauvaise œuvre. C'est bien de porter des habits. Mais il faudrait porter les habits qui vous appartiennent. N'allez pas prendre les habits du voisin et les porter. Parce que vous n'allez pas les prendre en plein jour. C'est-à-dire que vous n'allez pas les prendre lorsque tout le monde vous voit. Vous allez les prendre en cachette. C'est pourquoi on dit œuvre des ténèbres. Ici, on dit ténèbres, c'est caché. Quand quelqu'un fait de la sorcellerie, c'est réel, il sort dans son corps, il va sorceller les gens. C'est réel, vous allez voir des accidents, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont vraies. Mais ça se pratique en cachette. Ce sont des choses qui peuvent se faire. C'est le pouvoir que Dieu a mis dans l'homme. Le pouvoir spirituel, l'esprit de l'homme peut tout. Tout ce que vous connaissez là, l'esprit peut le faire. Mais avec quelle intention? Tant que ça s'est fait en cachette, ça s'appelle œuvre des ténèbres. Dans Genèse, avant, comme la Bible dit, au commencement était la parole. Quand la parole a été prononcée, c'est-à-dire quand la parole, la pensée de Dieu a été extériorisée, tout a commencé à exister.
C'est-à-dire, avant que Dieu prononce sa parole, il n'avait rien de matériel. Tout était spirituel. Regardez bien, il dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un matin, il y eut un soir, premier jour. Alors, il séparait les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et l'espace, il fait le ciel, avec l'espace entre les deux eaux. Il fait le ciel. Le ciel, il y a les anges et tous les êtres spirituels que vous connaissez. Maintenant, au quatrième jour, il crée le soleil pour présider au jour. Il crée le soleil, la lune et les étoiles pour présider au jour, aux époques. Quand le soleil s'élève et se couche le soir, nous disons un jour. Quand la lune sort et se couche, et disparaît, nous comptons un mois, parce que c'est 30 jours. Si le soleil fait ce mouvement-là, 365 fois, nous comptons une année. C'est pourquoi vous allez remarquer que les années réelles et les années que nous connaissons, il y a différence. Les années, selon la Bible, c'est chaque mois a 30 jours. Mais les années qu'on nous enseigne à l'école, les mois sont différents. Il y a des mois de 28 jours, de 29 jours, de 30, 31 jours, ainsi de suite. Tout un désordre là. Maintenant, quand Dieu a créé la lumière, il était caché. C'est-à-dire, Dieu était caché. C'est pourquoi on nous dit ceci. Cherchez Dieu, la face de Dieu, tant qu'on peut le voir, le découvrir, le rencontrer. C'est-à-dire, Dieu vit dans les choses cachées. L'homme ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui se révèle. C'est pourquoi la Bible dit qu'une lumière jaillit, éclaire le peuple qui vivait dans les ténèbres. Vous voyez que les enfants d'Israël vivaient dans les ténèbres. N'est-ce pas, ils avaient le jour et la nuit. D'autres nuits, il y avait la lumière de la lune, d'autres nuits, il y avait la lumière du soleil. Et même la nuit, vous avez des lampes dans vos maisons, ce ne sont pas des ténèbres. Ça s'appelle obscurité. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, il faut faire une ligne de démarcation entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Le diable, il vit dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, il voit. Tout ce que Dieu lui avait donné, il l'a encore. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Vous priez pour les gens, vous faites des miracles et tout ça. C'est au nom de Jésus, c'est un don que Dieu a mis en vous. Mais vous-même, vous risquez de perdre votre vie à cause de vos comportements. Vous êtes adultère, vous avez une femme, vous allez perdre d'autres femmes, des femmes d'autrui. Vous avez un travail, mais vous allez manger la dîme de l'église. Vous avez un travail, vous avez un salaire. Vous devrez prendre de votre salaire et donner à ceux-là qui ne travaillent pas, ceux-là qui ne travaillent comme les veuves, les orphelins et les serviteurs qui sont à temps plein. Pour le moment, les gens disent qu'ils sont à temps plein, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ce sont des chômeurs. Ce sont des déserteurs. Dieu l'a appelé à temps plein, mais il n'a pas le temps de jeûner pour ses fidèles, il n'a pas le temps de visiter les fidèles, il ne les connaît même pas. Et pourtant, la Bible dit, les brebis connaissent leur berger, et ils connaissent leur voix, et ils le suivent. Et le berger connaît ses brebis. Vous avez 10 000 personnes dans votre église. Quand est-ce que vous allez les connaître? Quand est-ce que vous allez les visiter? N'est-ce pas, la Bible dit que il faut laisser les 99 brebis pour aller chercher une qui est perdue. Bon, c'est ici, quand on parle des œuvres, ce sont les œuvres qui sont cachées. Dire à un paralytique de se mettre debout et de marcher, c'est quelque chose de très simple. Dire à un aveugle d'ouvrir les yeux, c'est très simple.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne Ok, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Je rappelle ces choses. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Il a créé la terre, il a dit que la terre sort, que la terre sort des océans. Et la terre ferme est sortie. Il y a eu des continents, des îles, etc. Mais elle prend le sol. Adam signifie terre noire. Il prit une terre noire. Ce que vous appelez argile. C'est la bonne terre hein, pour faire des statues. Faire des vases, ainsi de suite. Tout le monde le sait. Quand il prend ça, ce n'est pas quelque chose de blanc. C'est noir. Il prend ça, il faut une statue. Maintenant, il prend l'homme qu'il a créé à son image. Celui-là que lui a créé à son image. Celui-là qui le ressemble. Il le prend, il le met dans la statue. Dieu est esprit. On dit que l'esprit de Dieu planait à la surface de l'eau. L'esprit se levant, on dit le souffle de Dieu. C'est Dieu. Élie a entendu le souffle passer. Quand le souffle a passé, un peu devant là, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, tu ne m'as pas vu quand je suis passé. C'est le souffle. C'est pourquoi en swahili on dit pepo. En lingala on dit mon pépé. C'est ça, le vent, le souffle. Même les musulmans, dans le Coran, c'est écrit. Le Fils de Dieu, c'est le souffle, c'est la parole, c'est ça la vie. Dieu a créé un souffle de vie, parce que lui, c'est le souffle. Dieu a créé un esprit qui le ressemble. Il a créé l'homme, la femme et l'homme. Il les a créés. C'est lui qui a fait cette séparation. La femme et l'homme. C'est Dieu qui a fait ça. Ce sont deux esprits qui sont différents, mais qui vivent ensemble parce qu'ils ont été créés ensemble. Maintenant, quand il a mis le souffle de vie dans le corps de chair, alors ce corps-là, cette poussière, cette statue est devenue une âme vivante. L'homme n'est pas une âme. C'est la chair qui devient une âme hein, quand l'esprit est là. C'est comme une radio qui a des batteries électriques. La radio commence à chanter. C'est-à-dire, il y a de l'énergie. Pourquoi on parle parfois de l'esprit, que c'est l'énergie? Maintenant, vous comprenez comment est-ce que l'homme a été créé. Maintenant, Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il domine de tout ce que Dieu a créé de matériel. Tout vient de la terre. Les oiseaux, les animaux, les herbes, l'air, ainsi de suite. Ce sont des choses matérielles. Pour que l'homme puisse entrer en communication avec le matériel, il a fallu qu'il ait un corps matériel. En sorte que c'est par les oreilles que vous entendez, et c'est par la bouche que vous parlez. C'est par les yeux que vous voyez. C'est-à-dire, la vie matérielle est différente de la vie spirituelle. C'est comme nous disons, la vie de l'au-delà, la vie invisible, la vie spirituelle. Ce sont deux réalités différentes. Dans le matériel, nous avons un corps. Nous sommes tributaires au temps et à l'espace. Nous habitons un espace, nous vivons dans le temps. Mais dans l'esprit, le temps et l'espace cessent d'exister.
C'est là qu'il y a un problème. Quand Dieu dit un jour, ce n'est pas un jour comme nous comptons aujourd'hui. Nous, nos jours sont comptés à partir du soleil. Mais lui, ce sont des périodes. Je crois que vous avez compris. Maintenant, revenons à nos moutons. Je vais vous parler du fondement de l'Église pour que vous puissiez comprendre que nous sommes à la fin du temps de l'Église. Parce que l'Église a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus. L'Église a commencé. Et comment ces choses ont commencé? Jean-Baptiste a préparé, il a commencé avec « Repentez-vous ». Jésus est venu, « Repentez-vous ». Il a envoyé ses disciples, « Repentez-vous ». C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 6, verset 1, Dieu veut que nous puissions tendre aux choses spirituelles, à la nourriture d'adultes, aux choses profondes, entrer dans la profondeur de Dieu, entrer dans la profondeur, connaître les choses spirituelles, telles que c'est, et vivre l'expérience de l'esprit. Maintenant, avant d'arriver là-bas, nous revenons un peu à la base. Parce qu'il faut avoir une base. Cette base, c'est ce qui est écrit dans Hébreu, au chapitre 6, à partir du verset 1, jusqu'au verset 3. Je relis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est la première chose, la fondation. 2. De la foi en Dieu. 3. De la doctrine des baptêmes. 4. De la doctrine de l'imposition des mains. 5. De la résurrection des morts. 6. Du jugement éternel. Ce sont des choses que chacun qui croit en Dieu, chacun qui croit au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il doit connaître. C'est ça la base de la connaissance. C'est ça la base de sa foi. D'abord, c'est le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu sans que vous puissiez abandonner le péché. Vous ne pouvez pas lutter contre le péché parce que vous êtes enfant de Dieu. Non. Quand vous êtes né de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous luttez encore pour abandonner la cigarette, abandonner l'ivrognerie, vous ne comprenez même pas que c'est mauvais. Là, sachez que vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut chercher encore la face de Dieu. Parce que le renoncement, c'est ce que nous commençons par là. Repentez-vous. C'est-à-dire abandonner les œuvres mortes. Vous viviez dans les œuvres des ténèbres. Les œuvres que les hommes ne peuvent pas faire à découvert. Vous ne pouvez pas commettre adultère au vu de tout le monde. Vous ne pouvez pas voler au vu de tout le monde. Vous ne pouvez pas calomnier au vu de tout le monde. Ce sont des choses honteuses. Vous ne pouvez pas les faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un est emprisonné, mais quelqu'un veut payer pour lui. Il vient payer la caution. Maintenant, nous sommes comme ces émissaires-là qui venaient vous dire en la prison que, écoutez, on a déjà payé pour vous. Vous pouvez sortir si vous voulez. C'est-à-dire, vous aussi, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Dieu vous a déjà pardonné. Maintenant, venez à lui. Repentez-vous. Dieu a déjà payé. Le diable n'a plus de place sur vous. N'a plus de raison d'être en vous, ni de vous faire souffrir. Parce que Jésus a déjà payé. Si vous croyez, repentez-vous. C'est ça. Nous ne voulons pas encore continuer à nous pommonner. Vous devez abandonner le péché, ne faites pas ceci. Votre conscience, vous-même, votre conscience ne vous enseigne-t-il pas que ce que vous faites est mauvais? Quand vous allez ensorceler les gens, quand vous faites des fétichismes, quand vous volez l'argent de l'État, quand vous détournez les biens d'autrui, vous ne savez pas que c'est le mal? Pour le moment, ça devient monnaie courante. Hein? Prendre l'argent d'autrui, insulter les gens. Les gens sont maintenant habitués à commettre le péché. C'est que la Bible dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, lorsque il y aura le péché va croître,
lorsque les gens vont commencer à commettre les péchés sans honte ni crainte, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce que nous observons pour le moment, les humains n'ont plus l'amour. Vous voyez quelqu'un qui tue quelqu'un, une autre personne, et il entrecoupe sans avoir peur, sans avoir pitié. Ça, c'est pas l'amour. L'amour a disparu, tend à disparaître. C'est difficile que les uns parlent du bien des autres. C'est toujours des calomnies, des critiques, des combats, ainsi de suite. C'est un signe qui nous montre vraiment que la venue du Christ est proche. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Le deuxième signe, la foi en Dieu. Vous ne pouvez pas espérer recevoir des choses de la part de Dieu si vous ne croyez pas que Dieu existe. Beaucoup de gens prient, ils chantent, ce sont même des chants, des musiciens chrétiens, ce sont des prédicateurs, mais ils ne savent pas que ce que Dieu a dit est vrai. Le savoir par l'expérience. Tout le monde peut dire Dieu est grand, Dieu est puissant, mais quand tu es malade, pourquoi est-ce que quand tu pries ça ne s'accomplit pas? Tu n'es pas guéri, mais tu vas chez les féticheurs. Quand tu as un problème, pourquoi tu as peur la nuit chez toi? Pourquoi tu échoues à l'école? Pourquoi tu es toujours le dernier? Pourquoi tu souffres? Parfois tu dis même, est-ce que Dieu existe? Tu n'as pas foi en Dieu. C'est ça la deuxième chose qu'il faut connaître. Vous abandonnez le péché, vous êtes repenti. Maintenant, croyez que Dieu existe. Parce que c'est Dieu qui va vous donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est Dieu qui va vous donner le pouvoir de faire ce que lui veut. Vous avez besoin de choses à manger. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du demain ni du lendemain. Parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste, Dieu va vous les donner. J'ai plusieurs années dans le ministère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui croit en Dieu et qui souffre. Jamais. Je n'ai jamais vécu la misère. Je vis au jour le jour et de bénédiction en bénédiction. Ce que Dieu fait de moi, parfois ça me dépasse. Je ne comprends pas. Quand je vois que tout est fichu pour moi, c'est là que Dieu, la main de Dieu, me bénit. Je vois toujours la grandeur de Dieu. Quand je suis dans le désespoir, je mets mes genoux par terre, je crie vers le Seigneur et je vois l'accomplissement. Maintenant, vous aussi croyez. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Regardez ce qui se passe au Congo. Un petit mouvement, un petit Twitter, tout le monde est paniqué. Ne vous paniquez pas. L'avenir du Congo ou l'avenir des humains ne dépend pas des présidents de la République, ne dépend pas des acteurs politiques, ne dépend pas de l'ONU. Et même la fin du temps, la fin du monde, la fin des temps et la fin du monde ne viendra pas à cause des bombes atomiques, ne viendra pas à cause des Américains. Non, c'est parce que Dieu a dit que cela doit s'accomplir et cela s'accomplira. Si vous voulez aller prêcher et qu'il y a une tempête ou une pluie, n'ayez pas peur. Arrêtez la pluie. Les disciples s'étaient étonnés en voyant Jésus calmer la tempête. Ils se sont étonnés, ils ont dit, quel est cet homme? Qui est cet homme? Et même la nature l'obéit. Dieu nous a créés pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Même sur la maladie, les infirmités, la pauvreté, la disette, les infirmités, la stérilité et tout ça. Mais quand Dieu vous bénit, vous donne beaucoup d'enfants, vous mettez au monde 9 enfants, 10, vous dites, oh, ça suffit, vous allez chez les médecins pour que les trompes soient amputées. C'est pas ça. Il faut pas ça. Il faut pas limiter Dieu. Si Dieu vous en donne 12, prenez. Si vous en donne 20, prenez.
Souvent les gens disent non, c'est à cause de la santé de ma femme, oh non, l'argent, la conjoncture actuelle, tout ça. Ce sont des raisons que vous donnez. Mais cela prouve à suffisance que vous n'avez pas la foi en Dieu. Ce sont des choses, on ne peut pas retourner sur ces choses pour vous dire encore que Dieu est vivant, Dieu existe, que Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin. Vous vous mettez à genoux, vous dites, oh Seigneur, 6 enfants, ça me suffit. Si vous voulez encore me donner 6 ou 10, Seigneur, mon Père, donnez à mes enfants ou bien donnez à ceux qui sont stériles. Dieu va l'accomplir. Dieu va exaucer votre prière. Vous savez combien d'enfants avait Jacob, celui que nous appelons Israël? Il en avait plusieurs. Si Dieu vous bénit avec des enfants, vous voulez limiter aux naissances désirables. C'est-à-dire la naissance n'est plus désirable. Bon, vous connaissez vous-même que ce sont des péchés. Je ne peux pas encore revenir sur ça. Croyez seulement en Dieu. Quand Jésus-Christ a maudit le figuier, parce qu'au figuier, il n'y avait pas de fruits. Lui, il voulait aller prendre des fruits et manger. Il a dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, l'arbre était séché jusqu'aux racines. Et Simon Pierre qui s'est étonné, il a dit, ah, Seigneur, l'arbre que tu as maudit hier, voilà, il est séché jusqu'aux racines. Quelle a été la réponse de Jésus? C'est pourquoi je vous dis, sondez les Écritures, comprenez ce qui est écrit entre les lignes. Il lui a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous croyez que vous avez reçu ce que vous avez prié, vous avez demandé en votre prière, c'est alors que vous allez le voir s'accomplir. C'est le contraire de la mentalité humaine. Les humains veulent voir, comme chez nous au Congo. Les gens disent, où est la promesse de l'UDPS? Croyez et vous le verrez s'accomplir. Je ne parle pas de l'UDPS, je parle de Dieu. La mentalité des gens, ils veulent voir avant de croire. Mais Dieu veut que vous puissiez croire pour que vous puissiez voir. Parce que toutes les choses se passent dans le monde que nous appelons spirituel, le monde invisible. Vous pouvez voir la nuit, vous pouvez voir ça en songe, que vous avez une voiture. Le lendemain, vous n'avez rien. Croyez que vous en avez et vous en aurez. Parce que tout ce qui est révélé, tout ce que Dieu nous révèle s'accomplit, mais en son temps. Croyez en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis bien, rien n'est impossible. Si vous voulez mourir, priez Dieu, vous allez mourir. Quand vous mourrez, votre sang, Dieu va le réclamer sur vous. Parce que vous avez tué quelqu'un. Tout ce que vous demandez, Dieu va vous le donner. Vous demandez la richesse, Dieu va vous le donner. Mais il faut demander pour la gloire de Dieu. Le deuxième fondement. Le troisième fondement, c'est la doctrine des baptêmes. Je vous ai expliqué que le baptême, c'est être immergé. Vous mourrez avec Jésus-Christ et vous ressuscitez avec Jésus. Les choses anciennes sont passées. C'est symbolique qu'on est baptisé dans l'eau. Quelles que soient les paroles que vous allez prononcer, mais tout ce que vous le faites au nom de Jésus. Les gens en font une polémique. Écoutez, lorsque je suis en train de vous parler, je vous parle au nom de Jésus. Je vous parle parce que Jésus était mort sur la croix et qu'il m'a donné cette place pour vous annoncer la parole. Tout ce que je fais, si je dors au nom de Jésus, je me réveille au nom de Jésus, je marche au nom de Jésus, je parle, je chante, tout ce que je le fais parce que Jésus-Christ a versé son sang pour moi. Sinon, je n'avais pas le droit de faire tout ce que je fais. C'est-à-dire que tout ce que vous le faites, c'est parce que Jésus-Christ a pris votre place sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Quand vous dites, Père, je baptise ces gens, vous les baptisez, c'est que le geste que vous faites là, c'est ça le baptême au nom de Jésus. C'est-à-dire que vous ne le baptisez pas au nom de votre église, vous ne le baptisez pas au nom de quelqu'un, vous le baptisez, c'est parce que Dieu vous a donné le droit de baptiser. Vous le faites parce que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il a été ressuscité pour vous.
C'est ça la doctrine des baptêmes. Mourir avec le Christ et être ressuscité. Vous devenez une nouvelle créature. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un est né, il ne fournit aucun effort pour grandir. Ce sont ses parents qui leur donnent la nourriture, qui les lavent, les changent des habits, ainsi de suite. Et même les parents, et même l'enfant, tout le monde s'étonne comment est-ce que l'enfant est en train de grandir. Nous ne savons pas comment est-ce que nous grandissons. J'étais un bébé, pour le moment je suis un vieux. Mais j'étais un bébé, il n'y a pas longtemps. Vous aussi, vous étiez un bébé il n'y a pas longtemps. Maintenant vous êtes une grande personne. Quelqu'un qui peut parler, quelqu'un qui peut réfléchir, quelqu'un qui peut même donner ses idées, quelqu'un qui peut même s'imposer sur les autres. Voilà. Moi, vous ne savez pas comment vous grandissez. Il n'y a que seul Dieu qui connaît le secret. Ça, ce sont des choses cachées. Maintenant, quand vous grandissez dans la foi, c'est en écoutant la parole de Dieu, en priant et en chantant pour le Seigneur, que vous allez vous trouver en train de grandir. Vous abandonnez le péché complètement et vous serez un homme spirituel, un homme déchiré, mais qui vit spirituellement, qui vit avec un esprit saint, qui vit dans la sainteté, dans la pureté du cœur, qui ne s'efforce pas d'abandonner le péché, mais qui se trouve déjà être sauvé. Être sauvé, c'est-à-dire être libéré du péché. Quand vous êtes libéré du péché, vous n'allez pas encore continuer à vous forcer pour abandonner le péché. Quand vous branchez, votre cœur vous pousse à vous repentir. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Comprenez très bien ce que je vous dis. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable et jeûné. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a prié le Seigneur et le diable l'a tenté pendant ces 40 jours. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, après l'épreuve de 40 jours, la Bible dit dans Luc chapitre 4 que Jésus-Christ revenait du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous conservons la vie éternelle en vivant dans la sainteté. Mais c'est en priant que Dieu nous remplit de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va vous convaincre du péché, de la justice de Dieu et de la vérité. Vous serez convaincu que vous êtes pécheur. Vous savez, personne ne va pas vous convaincre avec des discours ni des philosophies que vous êtes pécheur, que ce que vous faites est un péché. Mais le Saint-Esprit va vous convaincre. Vous serez convaincu. Si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez convaincu que vous vivez dans le péché, vous allez vous repentir. Et en vous repentant, vous serez né de nouveau. Quand vous serez né de nouveau, vous n'allez pas fournir des efforts pour abandonner le péché. Pour vous abandonner le péché, ce sera simple comme de l'eau à boire. Et vous allez commencer à grandir. Mais c'est en priant, en cherchant la face de Dieu, que vous serez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la renommée du Christ sera répandue partout où vous allez passer. Beaucoup de gens, quand ils passent dans des églises, dans des villes, villages, ou dans des maisons, ou dans des familles, ce n'est pas la renommée du Christ. C'est la renommée du mal. Les gens ont peur même de lui. Si le monsieur passe par ici, il faut regarder l'argent et les soupettes, quelque chose va disparaître. Vous avez l'odeur de l'impudicité. Vous avez l'odeur du mal, du péché. Vous avez l'odeur des calomnies. Partout où vous passez, vous répandez le mal. Vous répandez le mal. Dieu n'aime pas ça. Vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut que vous puissiez vous repentir. Croire que tout ce que vous avez besoin, Dieu est capable de vous le donner. Et en étant sauvé, vous devenez une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Je parle aux chrétiens, surtout à ceux qui sont au Congo. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore catholiques, qui sont encore kimbanguistes,
qui sont encore pentecôtistes, qui sont encore je ne sais quelle église. Mais ça s'est déjà dépassé quand vous êtes sauvé. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez pas de discrimination. Vous aimez et les mauvais et les bons. Tous ceux-là qui craignent Dieu, ce sont tes frères et tes sœurs. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu, ceux-là qui se disent chrétiens. Ils sont encore les Baluba, ils sont les Bakongo, ils sont des Kinois, ils sont des Louchois, ils sont des Congolais. Quand ils voient des Zambiens venir, ils disent « ça sont des Zambiens ». Quand ils voient les Babemba venir, ils disent « non, ça sont des Babemba ». Quand ils voient les Bakongo venir, ça sont des Bakongo. Vous avez des divisions partout et pourtant vous êtes nés de nouveau. Votre roi, votre chef, c'est Jésus-Christ. Votre doctrine, c'est la Bible. Ce que vous dites là, Kakwetu. Kakwetu, c'est la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça notre constitution. C'est ça notre loi. Nous vivons selon cette loi-là. Mais alors, beaucoup de gens sont encore dans le tribalisme. Ça m'étonne. Vous voyez, un pasteur, parce qu'il est Moulouakat, toute l'église est toujours les Kiluba. Tous sont des Baluba. Tous ces anciens sont des Baluba. Si vous êtes un Rund, tous sont des Rund. Vous êtes un Mubemba, tous sont des Mubemba. Et les gens disent, oh, nous avons aussi notre pasteur Mubemba. Et notre pasteur Mulamba. Vous avez des églises de Babemba, de Bakasei, de Bakinois, de Nigériens, ainsi de suite. Pourquoi ces divisions? Paul l'a même dit. Ce n'est pas Paul ni Pierre qui était mort sur la croix pour vous. C'est le Christ qui était mort pour vous. Alors, sortez des divisions. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous vivez toujours dans les habitudes des choses passées. Vous n'avez pas la foi en Dieu. Vous allez dans une église là où il y a beaucoup de gens qui ont un peu d'argent, non? Et quand si je vais là-bas, on va offrir pour moi. Hein, vous dites, non, aujourd'hui c'est le jour de... Là, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut faire ceci. Ça, c'est quoi? Quand Jésus-Christ avait envoyé ses disciples-là, quand ils sont revenus, Dieu a dit, est-ce que vous avez pris des sacs de voyage, de monnaie d'échange? Il dit, non. Mais voilà, vous avez tout ce que vous aviez besoin. C'est parce que Dieu est avec vous, il vous accompagne. L'ouvrier mérite sa nourriture. Ce n'est pas un ouvrier qui va rançonner ceux-là qui écoutent la parole. Quand les disciples ont dit à Jésus, laissez les gens aller manger chez eux, ça fait 3 jours qu'ils sont avec vous. 3 jours en écoutant la parole de Dieu. Ils n'avaient pas à manger. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Donnez-leur vous-même à manger. Vous donnez la nourriture spirituelle, donnez aussi la nourriture physique. Vous prêchez à quelqu'un, il est affamé. Puis vous lui dites que Dieu te bénisse. Et vous partez. Vous avez à manger, donnez-leur à manger. Vous avez 2 tuniques, donnez un seul tunique. Restez avec un seul. C'est ça, on dit. Le baptême. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous serez convaincu que vous êtes pécheur. Vous allez être convaincu de la vérité. Vous allez être convaincu de la vérité, du péché et de la justice de Dieu. Vous serez convaincu. Personne ne va vous convaincre par des paroles malicieuses. Non. Ce n'est pas par des syllogismes que quelqu'un va vous convaincre. Ou à force de parler que vous serez convaincu. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi, vous serez convaincu que vous êtes pécheur. Là, vous allez vous repentir. Et l'Esprit va vous conduire en prière pour être tenté et prier. C'est quand vous allez être des chrétiens, des enfants de Dieu, que vous serez persécutés. On va commencer à vous combattre d'une façon ou d'une autre. Chacun a sa grâce. Et puis, le troisième baptême, c'est le baptême de feu. Pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. La croix, vous savez comment le Christ a souffert. Si vous n'êtes pas sauvé, vous allez fuir. Mais bien aimé, ça ce sont la doctrine des baptêmes. Vous devriez connaître ces choses.
Après ça, il y a d'autres que je vais vous enseigner plus tard, comme je vous ai dit. Nous allons un peu relire le même passage. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il faut tendre vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ce que je vous dis là. 2. De la foi en Dieu. 3. De la doctrine des baptêmes au pluriel. Et puis de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dieu l'a permis, c'est pourquoi je le fais aujourd'hui. Beaucoup de gens font ça, mais ils ne savent pas que c'est ça qu'il faudrait faire. Hein? Nous disons que nous vivons à la fin de temps. Jésus-Christ va revenir bientôt là. Les gens ont peur du corona, les gens ont peur des décisions des dirigeants de ce monde. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est Dieu et votre vie. Mettez-vous à genoux, priez, jeûnez. Pourquoi il dit veillez et priez? Il a beaucoup insisté lorsqu'il était dans cette vie. Il a dit veillez et priez. Parce que vous ne savez pas ni l'heure ni le jour qu'il viendra. Que Dieu vous bénisse. Neno la mungu libarikiwe, neno la mungu daima, neno e, no la mungu libarikiwe, neno la mungu.